Les figures en roulant, ça s'appelle des rolling. Ça, c'est un rolling, par exemple. Ok. Après, on a les scuffs. Alors, les scuffs, ça fait avancer le vélo en frottant le pneu comme ça. Et quand on rapproche le micro du pied, ça fait un petit bruit. C'est pour ça qu'on appelle ça un scuff. Et enfin, vous avez les spinning. Ça, c'est un spinning. Voilà. Voilà les spinning. Après, on a d'autres petites figures. Et voilà les grosses bases du BMX. On est quand même passé en 20 ans depuis que j'ai commencé un peu plus de c'est quoi ces punks qui font n'importe quoi dans la rue à maintenant on est une discipline olympique depuis quelques semaines, tu vois. L'eau a coulé sous les ponts et maintenant quand je dis je fais du BMX à mon banquier, il sait ce que c'est quoi, alors qu'il y a 20 ans c'était pas du tout le cas. Donc c'est quelque chose qui est devenu vraiment démocratisé et on est plus regardé un peu comme les mecs, les freaks. Yes! Check the balance, full 360. Yeah! On est tous les deux très motivés. Même moi, après 20 ans, je suis toujours aussi motivé. J'ai toujours envie d'apprendre telle ou telle figure. Et Céline, elle est au tout début de ça, en fait. Au bout de 3, ça fait 3 ans qu'elle roule. On met pas des jump flash, nous! On met pas des jump flash, nous! Très fier de toi. Jump flash, j'en mets. Pour Céline, 69.67. Pratiquer quelque chose de nouveau qui motive au quotidien, alors encore voilà, cette énergie du début qui est magique, donc on ne se pose pas du tout la question de si quelqu'un va arrêter quoi. J'avais toujours une espèce de gêne parce qu'à chaque fois que je montais sur les BMX, c'était avec des gars et pas forcément patients, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient désagréables. Et puis c'est moi hein, qui ai toujours été un peu gênée de demander des conseils. Quoi que ce soit pour pouvoir être à l'aise dans un skatepark ou ailleurs. Quoi. Il y a eu l'euphorie du début, après il y a eu des gros moments de doute parce que les réflexions de l'entourage, hein, t'as 30 ans, arrête avec ton petit vélo, c'est bon, c'est juste un loisir, n'en fais pas une priorité, tous ces trucs-là à côté. Et à chaque fois que j'allais rouler, moi j'étais tellement heureuse, je me sentais tellement bien. Et de se dire qu'il n'y a pas d'obstacle en fait, chacun se met des obstacles. C'est clair que ça n'a pas été facile, hein. Franchement, il a fallu vraiment s'accorder. Des fois, aller rouler plus tard le soir, très tôt le matin. Mais quand on veut, on peut vraiment quoi. Il faut pas, il n'y a pas de barrière. De toute façon, pourquoi pas quoi. Pourquoi pas. Je kiffe et c'est comme ça, la vie, il faut kiffer, donc feu ma grande. Je dirais que c'est vraiment une discipline particulière qui est vraiment magique, transcendante, captivante. Ça peut un peu paraître comme une drogue en fait. Quand tu es sur un certain rythme de riding, tu t'entraînes tous les jours ou presque. Si tu arrêtes, ça te manque vraiment beaucoup et tu y penses tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un peu comme un partenaire de vie, tu vois, le BMX Flat, ça m'accompagne depuis 21 ans, j'ai l'impression que j'en ferai toute ma vie parce que j'adore et c'est pas très, ça me paraît pas dur en fait, c'est très facile pour moi maintenant, donc je m'éclate toujours autant qu'il y a 20 ans quand j'étais sur mon petit vélo, tout seul dans mon village.
On met pas les pieds par terre, Gaston Interdit. Voilà, très bien. Wow, super mon grand. Le BMX est vraiment au cœur de notre famille. On a notre vie de couple, on a notre vie de rider qui partage dans le BMX. Mais surtout, on partage ça avec nos enfants en plus, quoi. Nos deux petits garçons, Gaston et Lazare. Vas-y. On a choisi l'épanouissement et Raphaël aussi. Et ça a l'air de plutôt bien marcher. Voilà, toute notre famille est heureuse. C'est tout ce qui m'importe en fait. Tout d'abord, j'ai découvert que le BMX freestyle existait, donc on pouvait faire des figures avec un BMX. En même temps, j'ai découvert qu'il y avait d'autres jeunes qui faisaient du BMX dans la ville d'à côté, à Épernay. Donc j'ai découvert qu'il y avait d'autres disciplines. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de skatepark encore dans cette ville. Donc eux, ils faisaient plus du street où on allait se construire des bosses et tout. Donc moi, je faisais un peu de tout au début. Et par la force des choses, et parce que j'ai beaucoup plus aimé ça, ben, je me suis mis à fond dans le flat. Supreme, and I mean to be the dream of this. Everybody know that I'm scandalous. Feel that. Pop, pop, pop. Make them drop, drop, drop. Pop, pop, pop. Make them drop, drop, drop. Make it feel the pain. Down the drain. We all really want it here. If you want that. On a appris dans la rue entre potes, tout simplement. On suivait des magazines, donc on regardait les séquences des figures sur les magazines, c'est photo par photo pour voir comment on faisait une figure. Et sinon, on avait quelques vidéos par an qui tournaient, donc 2-3 vidéos, à l'époque c'était des VHS, qui étaient parfois piquées, repiquées, repiquées, repiquées. Maintenant, on a des coachs en BMX, mais c'est très récent. Et à 20 ans, c'était une notion qu'on n'avait absolument pas dans ce genre de sport. Et ça se faisait pas en club, ça se faisait pas en association, très rarement. Et surtout pour apprendre, en fait, il n'y avait pas de prof de BMX. Depuis quelques années, je proposais de plus en plus des séances d'initiation, en plus de mes shows, sur les événements. Et je me suis vraiment pris au goût là-dessus, parce qu'on a des expériences incroyables. 90% du temps, c'est des grosses réussites et des sourires toute la journée, et des cris de joie, vraiment des cris de joie, littéralement, quoi. Oui. Magnifique! Super mouvement. Maintenant, il y a de plus en plus de skatepark, il y a de plus en plus d'encadrement, il y a de plus en plus d'initiatives, de cours partout en France pour faire du BMX freestyle. Parfait, là, t'as juste à laisser les pieds et t'as pas. C'est ça qu'on fait dans la vie, en fait, pour vivre. Des initiations, des jeunes, des moins jeunes. On partage notre passion. Des fois, on a des très belles surprises, comme le bonhomme qui est là-bas. On a tous envie un peu de promouvoir chacun notre sport, parce qu'on a envie de faire grandir ces milieux-là qui nous tiennent à cœur, pour que tout le monde en vive mieux, l'industrie, les acteurs, etc. Mais aussi parce qu'on aime ça et on veut promouvoir des bonnes valeurs. On s'est dit, si chacun peut développer un peu ça partout, ça peut vraiment aider à renouveler la scène, à avoir un peu de sang neuf et faire grossir un peu les rangs de la scène BMX flat, quoi. Il y a différents aspects dans le BMX. T'as vraiment le show, la compétition et la création. Et le show et la compétition, on pourrait penser que c'est la même chose, mais c'est totalement différent, quoi. Quand t'es sur scène, t'as envie d'épater les gens et c'est super cool de faire vibrer les gens avec ce que tu fais. C'est ce qui m'anime en grande partie. Le jump flash et ça rend magnifique. Il y a le côté performance pour moi et le fait de pouvoir éclater les gens qui sont autour, tu vois.
Merci beaucoup, Céline. C'est... Ça fait vraiment partie du jeu, quoi. Thank you.